Tolstoï disait « Tant qu'il y aura des abattoirs, il y aura des champs de bataille ». L'humain a tendance à se comporter de manière agressive, de manière guerrière, et croit qu'il faut combattre pour pouvoir vivre. C'est ça la grosse problématique de l'alimentation. Et il est évident, par exemple, que massacrer des animaux comme on le fait n'a absolument aucun sens. L'être humain n'a jamais été fait pour manger de la viande, et manger de la viande et prendre des produits laitiers est une catastrophe écologique majeure. Entre le produit qui nourrit l'animal, entre les déjections, c'est une calamité. C'est à cause de ces habitudes complètement insensées que nous détruisons les forêts, que nous polluons. Enfin bref, il y a comme ça des habitudes d'homme fou qui s'est cru le maître du monde et qui fait n'importe quoi. Mais grâce à Dieu, les consciences s'éveillent. Et moi, ce que j'ai appris des peuples naturels, c'est qu'ils ont un immense respect des animaux. Pour eux, les animaux, c'est des frères et des sœurs, c'est des compagnons de jeu. Les animaux sont les animateurs de la planète. L'âme de la Terre se manifeste dans le règne animal. On joue avec eux, on apprend avec eux des tas de choses. Enfin, ce sont des êtres remarquables. Qu'est-ce qui va vraiment nourrir l'humain chez l'animal? C'est sa présence. Mais les tuer et les manger, c'est une folie sans nom, qui n'a aucun sens. Et les études maintenant montrent très bien que plus les gens mangent de produits animaux, plus ils sont malades. Et ça, on ne veut pas le contester. C'est des études énormes qui ont été faites sur des centaines de milliers de gens. Nous sommes faits pour manger des végétaux. Et l'alimentation est très simple. C'est la règle des 3 V. V pour végétal, l'être humain est fait pour manger des végétaux. Le deuxième V, c'est le V pour vivant. Il faut avoir assez d'aliments crus pour avoir des vitamines et des enzymes. Et le troisième V, c'est le V de varier. C'est que dans la mesure où nous avons une alimentation saine, nous pouvons très bien, de temps en temps, faire la fête, aller au restaurant, boire du champagne. Nous ne devons pas entrer dans des sectes alimentaires où on est tout le temps comme ça, plus jamais on va avec les autres, parce que ça nous rend malades aussi. Donc le V de varier, c'est l'éloge de la mobilité. Mais avec le végétal vivant varié, les gens ont une vision de l'alimentation qui permet de faire une sorte de synthèse de toutes les écoles. Parce que toutes les écoles ont des bons côtés. Elles mettent un coup de projecteur sur ça, mais il n'y a aucune école qui soit parfaite parce que les écoles ont tendance à exclure l'autre. Alors que la vision globale, c'est d'intégrer toutes les approches d'une manière dynamique et qui va nous permettre de respecter notre corps physique et la planète Terre.